Bonjour à toutes et à tous, c'est Bexakil et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur CSGO. Aujourd'hui on va essayer un nouveau format, la dernière fois on avait fait 2 games, aujourd'hui on va essayer de faire 3 games. Donc les 3 games qui ont été faites entre le 13 août et hier. Pourquoi? Eh bien c'est tout simplement les games les plus rigolotes, ou du moins celles où je me fais le moins rouler dessus. Voilà, alors du coup on est parti, on va faire Watch Your Highlights. Et let's go. Alors à l'heure où je vous tente ça, on est juste le lendemain de l'ESL1 de Cologne, avec donc la victoire de Fnatic, qui était personnellement l'équipe que je supportais. J'ai rien contre les Envious, hein, c'est juste que j'aime bien les Fnatic. Et de ce fait, eh bien, voilà, donc victoire des Fnatic sur Cologne. Je vous reprends une fois que la warm-up est finie. Bon, non, c'est fini en fait. Donc très bien. Bon, c'est parti. Du coup je couperai les highlights, là je laisse juste le temps de parler et après eh bien je repasse sur le mode je coupe. Le tir de la galère. Hein, là j'en ai clairement chié. Il y avait un Tech9 par terre, j'ai même pas ramassé le Tech9. Oh. Attention, apparemment là je fais des dégâts à la P90. Ah ouais. Allez des bisous. Oh là 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 là, quel talent, quel talent. Il est où le dernier? Attention, apparemment je fais encore des dommages à la P90 ici. Oh, c'est skillé. Oh, il y a du skill. Ah oui, alors ça c'est un fake smoke. Vous lancez votre smoke ici. Les mecs, regardez, ils tirent comme des connards en pensant qu'il y a quelqu'un dans la smoke. Mais non, pas du tout. Il était sur le côté. Bon, je meurs, mais c'est pas grave, il était sur le côté. Alors, ça y est, j'ai repris ma M4, adoré. Oh, là j'ai galéré à lancer ma flash. Voilà. Et voilà. Allez, alors attention, on est parti, on est dans les appartements. Et là, regardez, il rate deux fois. Il rate deux fois. Ça m'a tué, ça. Le mec, il est en mode trop, ouais, je vais te tuer. Et en fait, il rate comme un connard son fusée bombe deux fois d'affilée. Oh, oh là 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 là. Aïe, aïe. Ah oui, c'était derrière. Ah oui. Bon, alors. Ah oui, oui, ça je m'en souviens. Ça date, hein, mais il y a des games comme ça qui vous marquent. Hein. Il y a des games comme ça qui vous marquent. Je me souviens du spray de psychopathe et du cut qui était là. Voilà. Ça, je me souviens de me fiquer. Nous sommes maintenant en terroriste, donc on est parti pour le gun round. Voilà. Alors, attention, apparemment, ça reprend ici. Ça, je m'en souviens pas. Ah, il y avait... Et je sais pas si c'est le fait de replay qui lag comme ça, ou si c'est eux qui lag. Mais je crois que c'est le replay qui lag un peu. Oh là 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 là. Et c'est déjà 3 kills. Là, on plantouille la bombe ici. Voilà, on plantouille. Avec le code qui est toujours le même, hein. Toujours, toujours. C'est pour ça qu'on diffuse aussi vite. Attention, de nouveau dans la rampe. Oh, le collègue se fait démonter. Oh là 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 là. Et quels hommes d'action. Ah, j'ai repris une P90. Lol. Ta mère. Je crois que j'ai touché tous les collègues là. Ah non, même pas. Ah non, j'avais touché peut-être Nanouché. Peut-être touché Nanouché dans l'histoire. Attention! Bam! Ah là 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 là, quelle déception! Je sais pas pourquoi je prenais la P90. Je devais en avoir marre, ils avaient dû prendre la P90 en face, du coup je les punissais. Sûrement. Alors, si vous voyez mon cut buggé, c'est pas qu'il bug en fait. C'est que. Enfin, si, il bug. J'ai pas changé de cut dans la game, hein. C'est juste que justement l'affichage bug. J'avais à ce moment-là mon chasseur assez bleu. Oh, ça hache là. Ouais, ouais, vas-y, replante la bombe. Plante la bombe. Il en reste un, je ne crois pas que ce soit moi qui le tue, vu la distance où il est. Allez, encore B, j'aime bien B, moi j'aime bien ce site. Oh. Oh, attention. Oh, la grenade. J'ai bouffé la grenade window. Easy peasy lemon and squeezy. Attendez, regarde la petite flash. Et on y va. J'ai décalé un peu tard par rapport à ma flash. Oh là 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 là, c'est magnifique. Et attendez, en plus c'est pas fini. Oh là 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 là. Et le dernier. Et le dernier. Ah ouais, ouais, je crois que c'est mon ace là. Il me semble bien que c'est mon ace. Ouais, c'est ça, c'est ça. Attention! Bam! Le petit ace. Donc voilà, ça c'était pour la première game.
Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Et dites-vous que mon meilleur grade, c'était Master Grade and Elite, donc le grade qui est au-dessus. J'ai des ranks, et dites-vous que ça fait 7 games d'affilée que je gagne, et que ça ne veut pas. Ça ne veut absolument pas me faire rank up. Ça ne marche pas, ça ne veut pas. Donc ça, c'était pour cette game-là, donc le tableau des scores est ici. Ensuite, on va... je sais pas si ça vaut le coup de vous montrer un 16-2, parce que c'est du viol... Et pour le coup, je ne sais pas si je fais... Bah, je vous montrerai après, on finira par ça. On va regarder celui-ci. Donc cette fois, j'étais avec Axor de la Big Steam, Red, qui joue avec nous, même s'il n'est pas dans le groupe Steam. Je ne sais pas s'il voudrait que je l'invite, d'ailleurs, faudra. Moi-même et Space, qui lui est dans la Big Steam, on était juste tombé donc avec un random. Bien, donc voilà le tableau des scores. On est parti. Watch your highlights. Donc à ce moment-là, par contre, j'ai changé de cut et c'est grâce à Yomantu. Donc Yomantu, en fait, avait à l'origine un couteau papillon Stat Track qui coûtait 180€. Et je lui avais dit, ça sert à rien de garder un gros couteau comme ça si t'as pas d'autres skins. Il n'avait aucune arme à côté de ça. Et du coup, je lui ai dit, bah en gros, si tu veux, je me mets avec toi, je t'aide, on fait un budget et on t'échange ton couteau papillon contre d'autres trucs. Du coup, on a vendu son papillon et il s'est pris d'autres skins. Et avec l'argent qui lui restait, il s'est pris des clés. Et les clés notamment, eh bien, il a looté un carambit dedans. Du coup, il a gardé son carambit et le cut qu'il s'était acheté avec l'argent du cut papillon, il me l'a offert. J'ai vendu les deux, le mien que j'avais avant, mon couteau acier bleu de chasseur, plus eh bien, celui-ci. Alors, regardez ce gunrun est magnifique. Ce gunrun, je viens déjà de faire un kill. Là, je monte et je descends. Et attention, hop là, deuxième. Donc en gros, j'ai fait des dégâts et j'en ai mis un vachement lourd. Et du coup, c'est ce nouveau couteau-là que j'ai. Voilà. C'est ce que j'ai à dire, principalement. Ah, et là, je l'ai mis à 65, enfin à 25 HP, je crois. Dans mon souvenir. Et du coup, le SL m'a motivé à rejouer au CZ. Alors, c'est la première game que je fais CZ depuis bien longtemps. Il faut que je me rentraîne. Et là je recharge alors que j'aurais clairement pas dû hein. J'aurais pas rechargé, j'aurais peut-être pu tuer l'autre. Du coup cette game va avoir un début catastrophique. On se fait rouler dessus en antiterroriste. Et là je recharge encore une fois alors que je n'aurais clairement pas dû. On se fait actuellement juste rouler dessus. Du coup bah, quand rien ne marche comme dirait Nox, quand rien ne marche la P90 marche. Et là je meurs à cause d'une grenade. J'étais pas très content à ce moment là. En plus dans une position plus qu'équivoque. D'ailleurs maintenant j'ai un skin de CZ parce qu'à l'époque j'en avais pas. Ah oui, alors lui c'était dur. Oh là là, oh c'était dur. Oh, le spray du gros dingue. Voilà donc là un magnifique Tech 9. Et là ça c'est du gun round mes amis. Ça c'est du gun round. Alors un kill. Vous comptez avec moi. Deux kills. Trois kills. Allez des bisous hein. Bah c'est la puissance du Tech 9 de toute façon. Alors attention, oh. Ah c'était dur, ouf. Alors on est de nouveau sur site. On se sent bon, on se sent puissant et on l'a vu derrière la fenêtre. Allez, dans ta gueule. Vous allez voir, dans cette game je donne des leçons d'AK-47. Vous allez voir. C'est pas souvent hein. C'est pas souvent du tout. Mais vous allez voir, ça rend bien. Alors regardez ça là. Regardez. Hop. Je lui ai donné la bombe juste pour décaler et... BOUM! Dans ta gueule! C'est un MS de la folie, hein. Mais bon, c'était trop beau, quoi. C'était beaucoup trop beau. Attention. Apparemment, là, je fais quelque chose. Oh. Coucou dans l'escalier. J'ai la fâcheuse habitude de recharger un peu trop souvent. Mais ça, c'est à cause des jeux de zombies, vous savez. Du style Killing Floor 2. J'ai beaucoup trop joué à ce jeu. Ah ouais, là, je le rate. Oh là 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 là. J'ai beaucoup trop joué à Killing Floor 2. Et de ce fait, eh bien, j'ai la fâcheuse habitude, à chaque fois d'avoir tué un zombie adverse, eh bien, de reload. Ce qui est une habitude des jeux de zombies. Mais bon, bon, voilà, c'est tout. Oui, alors là, 24 HP. Oh, ça va être dur. Oh là là. Oh. Oh, c'était dur. Ouf. Attention, là aussi ça va être compliqué, là vous allez voir. Ah, mon dieu. Alors je crois que là ça devient un round intéressant là. Là si je ne m'abuse c'est du round comme il faut. Et si c'est pas celui-là, bah c'est celui d'après.
un kill. C'est celui-là, c'est ce round-là. Deux kills. Et deux, trois. Et deux, quatre. Ça, c'était le round du si on le marque pas, on est baisé, les mecs. Ça fait égalité. Et on a eu absolument pas d'envie de faire une égalité, vous me comprendrez. On plante, hein, parce que Beixaki est le planteur officiel de bombes sur cette game. Et je crois que je ne tue absolument pas le dernier. Hein. Voilà, c'est ça. Et après, c'est tout simplement la victoire. J'ai rien fait sur le dernier round. Et ça a looté de la merde. Hein. Le gars, il a looté pour son level up, la bot Carole. Eh bien, je suis désolé pour toi. Tu as looté un Maxet Seabird qui est juste pourri à chier. D'ailleurs, attendez, il faut que je vous montre un truc. Moi, j'ai ouvert une caisse que j'ai lootée sur Cobblestone. Voilà, voilà, c'est tout. J'ai looté ça sur Cobblestone. Voilà. J'aurais pu loot une Dragon Lore, moi j'ai eu ça. Il valait 23 centimes hier. Est-ce qu'il a pris de la valeur depuis hier? Regardons ensemble. Vous allez sûrement pas voir ce qui va s'afficher. Moi non plus. D'accord, c'est bugué. Très bien. Je vous montrerai ça plus tard. Enfin non, je vous montrerai pas du coup, mais c'est pas grave. On verra une autre fois. Du coup, est-ce que je vous montre la game sur Overpass? Bon allez, allons-y. On n'est pas des gens de façon pressée. Allons-y. De toute façon, c'est un 16-2, donc ça va aller relativement vite. Bon, je finis meilleur joueur, mais avec 17 kills sur un 16-2, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. En même temps, 17 kills, quand tu fais un 16-2, ça fait une moyenne d'un kill par round, à peu près. Bon, normal, quoi. Alors, apparemment, je fais quelque chose dans ma warm-up, pour une fois que je fais pas la warm-up en étant FIA. Oh oui, oh, j'ai galéré. Oh, j'ai galéré. Oh, j'ai galéré. Oh. Oh, j'en ai chié. Ah, là où... Ah, c'est warm-up ending, mais c'est bugué, d'accord. Ah non, c'était peut-être pas la fin de la warm-up en fait. Bah si, c'est la fin de la warm-up. Ah non. Bon, maintenant c'est la fin de la warm-up. D'accord, c'est un petit peu buggé, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Alors. Ah oui, alors ça va être dur là. Oh là 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 là. Bam. Oh là là, c'était dur. Attention. Oh là là, c'était... dur, j'ai rien fait, genre ils m'ont niqué. Un peu triste. Attention, c'est du plantage de bombes à l'aveugle. Hein. Je ne sais pas où je suis, mais c'est pas grave, je plante quand même. C'est marrant de planter dans le noir. Ah, où est-ce que je suis? Ah, mais je sais pourquoi on a mis 16-2. Ah, mais oui, ça y est, je me souviens. Je me souviens. C'était la game de la mort. C'était la game du carry. Parce qu'en fait, je vous explique, nous avons actuellement dans cette game avec nous Forest, The Forest, là. Et je sais plus comment ça se prononce, mais l'autre là, Dedicated Talks to Nobu, enfin bref, vous m'avez compris, qui sont tous les deux techniquement des suprêmes, et qui étaient sur un smurf tout simplement, qui étaient sur un smurf et qui sont tombés dans notre game au hasard, et c'était plutôt beau. Parce que du coup, si on fait tab, voilà, c'est eux qui carry pour l'instant, hein. Le premier il a 10 kills, ça fait mal. Il y avait une web par terre, j'ai genre pas ramassé quoi. Ah, et je crois que le dernier s'était fait kick, je crois, à ce moment-là. Ouais, voilà, il s'était fait kick. Alors, attention, apparemment, j'ai une action ici. Il y en a ici. Oh, mon dieu. Oh, la grenade, non, cours. Et je recharge, alors j'ai 23 balles. Enfin, ça, c'est un gros défaut qu'il va falloir que je corrige parce que c'est pas bien. Et là, j'ai sauvé la M4 pour Gaber parce que Gaber joue toujours à la M4. Il aime pas la AK et je comprends pas les gens qui préfèrent la Galil à la K40Z. Ah oui, attention. Oh, Awab versus M, enfin AK. Le mec il est trop galéré. Enfin, je crois que c'est un Awab, hein, je faudrait vérifier. Ah bah, attention. Oh mon dieu, c'était dur. Et je recharge encore. Enfin, c'est vraiment un toc. Hein. C'est un putain de toc plus qu'un tech, hein, ou un tic ou un tac. Allez, easy. Où vais-je donc? Que fais-je donc? Attention! Oh là 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 là! En même temps, si je prends les assists. Ah merde, j'ai oublié de vous montrer l'action, je viens d'en buter un là. Trop triste, le mec il fait en sorte de mettre les actions et il oublie d'appuyer sur le bouton pour les cordes pour l'action.
Yeah, j'ai planté la bombe. Alors, donc on arrive au dernier round de la half avec un 16-2, enfin un 12-2 pardon. Ce sera les deux seuls rounds qu'auront mis des adversaires. C'est triste, mais ils n'en mettront pas plus malheureusement. Pour eux, parce que moi je m'en fous. Attention, attention, ça c'est du gunner, je sens que je vais faire de la merde. Oh là là. Oh quel talent. Attendez, ce n'est peut-être pas fini. Je fais peut-être... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quel talent. Bien sûr je troll, hein. Je suis nul sur CSGO, mais c'est pas grave. Vous vous doutez bien que je prends que les bonnes actions, hein. Je mettrai pas les parties où on se fait rect. Hein. Ce serait pas logique. Hein. Voilà, puis là on avait eu envie de finir vite, donc je pense qu'on a fait à la paix normante. Oh, et voilà, c'est le CS12. Oui, c'est à l'époque où j'étais redescendu Master Garden 1. Parce qu'en gros, je vous explique. J'étais MGE, je suis redescendu MG2, puis MG1, et je suis remonté MG2. Et là, je vais repasser MGE. Quand vous regardez cette vidéo, je serai sûrement MGE. Alors, vous m'avez demandé dans les commentaires, est-ce que tu pourrais pas nous mettre, BX, des games en entier, donc avec tout le monde. Alors ça dépend en fait, puisque une game en entier, juste comme ça, c'est environ 40 minutes environ. Il suffit de regarder, hein. Si je fais watch, que je fais your mode chills, que je regarde, imaginons, là ça fait 45 minutes, ici ça fait 39 minutes, ici 35, ici 51, ici 28, oui c'est un 16-2 aussi, ici un 40, ici un 16-0 avec un 24, et ici 29, mais du coup évidemment c'est, comment dire, ça dépend vraiment le temps. Et du coup, ça peut vous faire des vidéos très très longues qui seront aussi très très longues à upload. Alors, il y a deux solutions. Vous me le dites dans les commentaires. Soit vous voulez que je vous les fasse, entre guillemets, en entier, les vidéos. Et du coup, vous aurez sûrement pas de vidéo le lendemain. Donc, ce serait une vidéo qui prendrait sur 2 jours parce que ça va prendre... longtemps à upload avec la connexion actuelle. Quand je serai chez moi, ce sera pas un souci, mais là pour l'instant je suis encore chez les parents et du coup c'est tendu. Soit je fais ça comme ça, soit je vous la coupe en deux parties à la half, ou alors je vous mets que les manches qu'on gagne. C'est comme vous voulez, je peux faire ça, je peux mettre que les manches intéressantes. Voilà, je peux faire ça comme ça aussi. Les manches intéressantes, je vous les mets, les manches pas intéressantes, je vous les mets pas. Voilà, voilà, donc vous me dites dans les commentaires et bah moi je regarde ça justement pour vous. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne, sur bxakit.fr et sur Twitter. Et hop, you like it.